Anouar, bonjour. C'était ton baptême du feu aujourd'hui à 13h ici au Franco. C'est toi qui ouvrais les hostilités. Comment ça s'est passé ? Eh ben, c'est moi qui ai ouvert les hostilités. Hein. C'était bien, on a passé un chouette moment sur scène. Et puis voilà, j'espère que les gens qui sont venus ont passé un bon moment avec nous aussi. Et c'est un plaisir pour moi d'être au Franco, c'est la première fois et j'espère pas la dernière. Alors, ton album Beautiful Sunrise est sorti il y a quelques mois. Ici, tu me disais que tu allais tourner ton deuxième clip et cette fois-ci au Cap-Vert. Et c'est pas des vacances, ça ? Ben, ça va être des vacances combinées au travail. Il faut se préparer aussi pour la prochaine saison. Donc à partir du mois de septembre, octobre, les choses commencent un peu à avancer. On a déjà pas mal de trucs sur le planning. Et du coup, ben, il faut arriver avec du travail en amont. Et ça sera une partie de plaisir. Mais en même temps, comme mon travail, c'est aussi mon plaisir. Du coup, ça ne va pas être non plus quelque chose qui va me déranger. Alors en festival comme en première partie, il faut convaincre. Il faut séduire, il faut y aller à l'arrache, non ? Ben, c'est toujours difficile de rentrer sur scène et d'avoir un public qui ne nous connaît pas du tout et qui est venu voir un artiste et un certain type de musique, etc. Et il faut venir et il faut lui montrer que voilà, qu'on est là et qu'on est là aussi pour eux et pour partager avec eux de la musique et de la bonne énergie. Et donc voilà, on y va à fond, on s'amuse, on prend du plaisir et généralement ça se passe très bien. Alors ta musique est folk, groove, métissée, c'est d'une bonne description ? C'est un mélange, c'est de la pop en fait, mais avec beaucoup d'influences soul, des influences reggae, des influences folk. Disons qu'on a fait un petit mélange de tout ça et il y a plein d'influences qui ressortent. Après, mon but n'est pas d'aller vers la folk ou vers la soul, ou c'est vraiment ce qui sort lors de l'écriture et de la composition. Et voilà, c'est surtout de la musique qui pour moi, c'est de la musique compréhensible par tout le monde. Et c'est ça que j'ai envie de faire. C'est un peu ce que j'ai appris avec Bob Marley, par exemple, qui fait de la musique hyper solaire et qui peut parler de tout et en même temps que ça reste quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Oui, tu défends le côté bien populaire de la musique. Voilà, moi je suis plutôt dans le côté bien populaire. Moi je suis autodidacte déjà, donc j'assume le fait que j'ai appris tout seul. J'ai pas été à l'académie, j'ai pas fait des études de musique ni quoi que ce soit. J'ai appris tout moi-même, j'ai juste mis ma passion et mon énergie. Et puis voilà, le reste, c'est pour moi ça en fait la musique, c'est de pouvoir parler à tout le monde en fait. C'est pas d'essayer de montrer qu'on sait faire des choses ou quoi, c'est juste partager tout simplement. C'est une belle fin. Merci Anouar. Merci beaucoup.